Mycénien attesté entre 1450 et 1200 avant Jésus-Christ, donc on est 1000 ans après quand même, hein, eh bien le linéaire B mycénien, déchiffré dans les années 50 par Ventris et Chadwick, eh bien fonctionne selon une... Il y a tout d'abord un syllabaire, voilà, où on a 5 voyelles, 12 consonnes. Alors, on a 5 voyelles, on n'a pas les 12 consonnes, on a le croisement, on a, entre guillemets, 60 signes syllabiques qui correspondent au croisement de la voyelle avec 12 consonnes. Voilà, donc on a 65 signes qui appartiennent au syllabaire de base. Il y a d'autres signes qui sortent, phonétiques qui sortent de cette grille phonétique-là, mais surtout, pour le linéaire B, il y a également tout un tas de logogrammes pour les objets qui sont dénombrés dans les tablettes. Donc, on a en fait un système mixte, phonétique, logogrammatique. Nous, en Iran, on a juste des signes phonétiques sans aucun logogramme.